Bien le bonjour, tube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute vidéo sur la zone. Alors, nouvelle vidéo, parce qu'il y a une nouvelle mise à jour, du coup la version 1.16.3. Nouvelle mise à jour multijoueur, vous allez voir, c'est giga lourd, il y a énormément de choses. Quand cette vidéo sortira, je serai en live sur Twitch, on ira découvrir la mise à jour multijoueur. Il y a le lien Twitch dans la description de cette vidéo, cliquez dessus, c'est gratuit, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte, vous n'avez pas besoin de je sais pas quoi, vous cliquez dessus, vous me verrez en live, c'est formidable. Vous pourrez parler et tout, ça va être génial. Bref, ville dans le cratère, une ville entière a été découverte dans le secteur 7, vous pouvez apprendre comment la société fonctionne dans l'apocalypse zombie. Les nouveaux arrivants vont au centre de distribution, en échange d'un petit service, ils peuvent obtenir un logement, accéder à l'atelier, un stockage personnel et un peu de compagnie. Let's go. Alors, en vrai, de vrai, j'ai vu vite fait, ça a l'air giga lourd. Faut voir du coup ce que ça va donner une fois qu'on va y jouer, mais ça a l'air extrêmement lourd. Les membres problématiques sont envoyés dans les taudis, mais un retour est toujours possible. Il vaut mieux s'unir. La base de votre clan rendra plus sûr. Votre base, vos règles. Ok. Accès au mode multijoueur. Nous avons changé le système de changement de mode en solo ou multijoueur. Il est plus fluide. La mise à jour introduit également une ressource d'énergie spéciale en multijoueur. Let's go. C'est un truc qui a été demandé depuis très longtemps. On va voir du coup ce que ça va donner. Carte globale. La carte affiche les mouvements des mobs de votre clan. Vous pouvez trouver vos alliés, les aider à nettoyer des lieux. D'ailleurs, certains d'entre eux ont une nouvelle apparence. Le clan est plus efficace, c'est sûr. C'était pas déjà dans le... Parce que, on va pas se mentir, j'allais pas du tout au secteur 7 avant. Mais c'était pas déjà dans la mise à jour, ça? Il me semble, hein. Nouvel équipement, la création basique de nouvel équipement est disponible. Tout le monde fabrique un équipement de protection basique assez facilement. Cool. Voyage de nouvel événement, les personnes les plus courageuses peuvent se rendre dans les lieux lointains habités par les plus puissants monstres de terre désolée, dont le nouvel événement Carrefour, où leur force va être testée. Y aller seul n'est pas une bonne idée. Évidemment, c'est du multijoueur. Suppression du système de prise de lieu. Nous avons retiré le système de prise de lieu. Il n'y aura pas de classement en multijoueur jusqu'à la refonte complète. Est-ce qu'ils vont le faire revenir ou est-ce que c'est juste une excuse en mode bon les gars on s'en fout on l'a viré. Faudra voir après en vrai de vrai qui tryhardait vraiment ce truc là. Il y a des gens hein, qui le ponçaient le truc et tout mais c'était pas voilà quoi c'était pas fameux. Suppression de la base de clan. L'ancienne base de clan sera indisponible. N'oubliez pas de récupérer vos affaires et vos ressources. Gardez un œil sur le chronomètre pour ne rien perdre. Mettez-vous à l'aise dans le nouvel endroit. Let's go on va aller voir ça. Alors. La mise à jour vient de sortir. Est-ce que le secteur 7 va être accessible directement? D'ailleurs, quand cette vidéo sortira, la mise à jour, elle est sur iOS et sur Android. Parce que du coup, je vous fais cette vidéo. La mise à jour vient de sortir. C'est pas l'alpha ou je ne sais quoi. On va se rendre du coup... Changer de personnage. Attends, pardon, excusez-moi. Je peux pas rentrer au secteur 7? Parce que là en fait là si je rentre dans une zone je vais sortir il y a les events qui vont spawn et faut pas que les events y spawn parce que j'ai encore rien fait aujourd'hui j'ai pas le temps. Attendez, voulez-vous sélectionner un autre personnage? Terminer l'event convoi abandonné. Ok là on va sortir de la zone. On va sortir de la zone, j'ai 15 events qui vont pop, j'ai pas ouvert le jeu aujourd'hui. Il y a de la fumée à l'horizon, l'étang, ah l'event convoi ça doit être ça. Convoi abandonné, let's go, on va y aller. Bah, j'étais en train de farm, du coup j'ai absolument rien sur moi. non, j'ai pas de stuff. J'ai pas de stuff, j'ai pas une arme modifiée dans l'inventaire quelque part. J'ai pas de stuff moi. Ah si, il y a une M16 là, on va en prendre deux. Au cas où. J'ai pas de bandage. Ah si, j'ai des bandages, j'ai des kits de soins sur moi, je suis débile. J'ai des kits de soins. Ok, on va aller voir ça, j'ai aucune idée ce que ça va donner. Ok. Oh, stylé. Merci pour... Oh! Trop stylé. Bénichou, vraiment? Oui. Eh, hey, Brian, regarde! Tu ressembles à Bénichou. Parce que... Parce que attendez, est-ce que... Deux secondes. Comment? Pourquoi? J'ai trop de questions d'un coup. On va pas te prendre avec nous. Mais je peux te livrer une lettre. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je ne m'attendais pas à entendre parler de toi comme ça, imagine un peu, ils m'avaient en joue, ils allaient me tuer, notre ressemblance m'a été utile, bon sang, j'ai mal à croire que tu es toujours là, ce choix du sexe du personnage, gros. Ah c'est pas ça la question, pardon, mon frère ou ma sœur. Est-ce que, alors là c'est la question, mais si vous me suivez, vous savez que je prends toujours un personnage féminin dans les jeux, quand il y a le choix je prends toujours une nana dans le jeu, me demandez pas pourquoi, je n'ai aucune idée, mais en vrai je vais dire ma sœur. Après ma soeur ça fait un peu ghetto tu vois alors que mon frère ça fait vraiment lien proche et tout. Ma soeur ça fait un peu truc de Tessie et tout enfin on va dire ma soeur. Ils ne sont pas présentés mais ils ont dit qu'ils te connaissaient, il y avait des insignes de force du... Attends ils me connaissaient, ils savent pas si je suis un mec ou une meuf. Really? Vraiment?
Ça me... Trop de mensonges, dès le début, des mensonges. Il y a des insignes des forces du gouvernement sur leur uniforme, mais nous n'avons pas entendu parler du gouvernement depuis le début de l'épidémie. Qui sont ces types? Leur fais-tu confiance? Ils ont eu des problèmes? Attends, trop de questions là, l'un de... Il y a trop d'informations d'un coup en fait. Ça n'a aucun sens en fait. Qui sont ces types? Leur fais-tu confiance? Ils ont des problèmes, l'un d'eux est mort. Genre, c'est des gens qu'on connaît, que lui connaît pas, et il nous donne des infos sur des gens qu'on connaît, mais que lui connaît pas, et des infos qu'on ne savait pas sur... Ça n'a aucun sens. J'espère qu'ils peuvent vraiment te donner cette lettre. Ils ont dit que je ne pouvais pas venir avec eux, mais ils avaient l'air d'avoir besoin d'aide. Mais tu les connais du coup? Laisse tomber. J'ai tant de questions. Comment as-tu survécu? Où es-tu? Qui sont ces types avec l'insigne du gouvernement? On se reverra, c'est sûr, tes amis. Ferme ta gueule. ne m'oublie pas, je te trouverai. Franchement, je te trouverai, ça fait pas genre trop film d'apocalypse en mode écoute. Si le destin le veut, on se retrouvera, toi et moi. La vita aeternam, gravé dans le marbre. Ça n'a aucun sens en fait. Ou ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, ça fait genre, bon, on se reverra jamais en fait. Bah vas-y, je te trouverai. Hein. Entrez dans le lieu, let's go. Let's go, let's go. Attendez. J'ai. Oh, c'est trop stylé les vêtements! Ah, par contre, il y a un peu de. C'est pas trop fluide. Oh, c'est trop stylé! Attendez, je fais un screenshot. J'espère que vous avez fermé les yeux. Mécano, la station est fermée pour des réparations. Attendez, déjà, je vais dire bonjour au clan. Yo! Avec plein de... voilà. Il veut quoi, lui? Garde pété. Stockage personnel. Oh, stockage personnel, il est grand. Hein, ah, il est pas tant que ça. Stockage de clan. Oh, il est petit, le stockage de clan. Bichou, si vous êtes vivant avec des personnes qui vous ressemblent, rejoignez le centre de distribution si vous possédez l'arme d'un véritable guerrier. On l'a déjà lu cette tout à l'heure, non? Ouais, je crois on l'a déjà lu. Je te trouverai, blabla, blabla. Ah, je peux. Ah, il y a une messagerie maintenant dans le jeu. Let's go. Oh, à poil. À poil, il y a écrit le nom du clan. Trop stylé. Beaucoup trop stylé. Est-ce que là, je peux me barrer ou pas? Non, je peux pas me barrer là. Tableau d'information. Trouver le contenu. Ok. Ok, ok, il y a des quêtes et tout à faire, c'est stylé, hein. Les autorités de la ville suivent la progression de chaque clan, les meilleurs tenants à terrain et un permis de construction. Beaucoup trop stylé. Choix de l'établi. Eh mais c'est quoi? C'est un nouveau jeu, en fait. Mais c'est trop stylé. Attendez, choix du lieu conteneur. Laissez au milieu des terres, désolé pour un convoi. Mais c'est trop stylé. Et il y a quoi là-bas? Là, il y a des magasins. Alors, c'est indiqué sur la map, donc je pense qu'on pourra y aller un moment. Ah ouais, c'est stylé. Oh, et la musique. Alors, je sais pas si vous entendez vraiment bien la musique. Peut-être augmenter un peu le son du jeu. Peut-être après, vous allez trop l'entendre. Mais la musique, enfin, change vachement. Garage fermé. Vas-y, ouvre-le. Oui, peut-être pas. Hein. C'est tellement stylé. Petite guitare et tout là. Donc là, il y a juste les stockages. Là, il y a les trucs. Changer l'apparence. Annuler. Attendez. Parce que là, donc là, j'imagine que je peux aller faire des quêtes en fait. Ouais, le chat. On fait quoi? Carrefour. Attendez, parce que je vais quand même essayer un truc. C'est quoi SE recommandé? Bah, vous savez quoi, on va y aller. On va y aller, on va y aller. Ami, clan. Je peux inviter des gens ou pas? Ah, y'a personne en ligne! Non, ils abusent. Assembler une équipe, faut être 3. Oh non, faut être 3. Oh, y'a quelqu'un en ligne! Y'a quelqu'un en ligne! Attendez, rassembler une équipe. Vite, un troisième. Y'a personne d'autre qu'en ligne en fait. Ah ouais, alors s'il faut, alors, en vrai de vrai, s'il faut tout faire uniquement avec des gens et qu'on peut pas y aller genre solo, vous allez me dire c'est du multijoueur, mais j'aime bien justement les jeux multijoueurs, on peut y aller tout seul et faire le truc quand même, mais là apparemment on peut pas. 45 d'énergie, ah ouais, et si je fais conduire? Écoutez, je vais aller avec Burislav, j'espère qu'il est giga chaud, c'est mon nouvel ami du coup. Mon nouvel ami qui apparemment est un pro player, on va pas se mentir. Hein. Il a l'air d'être. Il a pas l'air d'être prêt en tout cas.
Ouais, alors déjà, vous savez ce que je vais faire? Je ferai un chan sur le Discord, il y aura le Discord dans la description. Si j'y pense, je ferai un chan sur le Discord, vous pourrez trouver des gens. Vous pourrez trouver des gens et... Ah, il répond pas. Bah écoutez, au pire, on va y aller solo, hein. Dégage. Comment je fais pour supprimer? Voilà. Vous savez quoi, on va y aller en solo. On va aller voir, mais je ferai un chan sur le Discord pour si vous voulez trouver des mates et tout, trouver des potes et y aller ensemble, vous pourrez trouver. J'aime pas trop radiation là. J'aime pas trop ça. D'accord, donc je vais devoir passer entre les zombies. Je vais devoir passer entre les zombies. On peut toujours pas s'accroupir? Oh, crasher, putain. Non, s'il te plaît, le jeu. Ah, y a du loot? Il y a un coffre. Ok, c'est pas vraiment encore au point, quoi. Par contre, c'est dommage qu'on puisse pas s'accroupir. Ça va vous sinon parce que ok alors en vrai de vrai ça a l'air stylé par contre il y a un truc que je pige pas genre je peux pas aller farmer où je veux attendez on a fait quoi on a fait carrefour on a fait conteneur je sais plus qu'est-ce qu'on a fait je crois qu'on a fait vieille mine travail est interrompu à cause de nouvelles menaces vous savez quoi on va essayer celui-là. On va essayer celui-là. Mais attendez, mais si, même si on est à 3, enfin même si on est à plusieurs, si on n'a pas d'armes, on fait comment? Il n'y a plus de zone de farm? Salut, yes, à la prochaine, bye. Ok, alors on va vite rentrer. Ça avait l'air énervé. Ça avait l'air énervé. Attendez, il n'y a pas juste... Je peux pas, genre, juste aller dans une zone de pierre ou dans je ne sais quoi? La station est fermée pour des réparations. Attendez, mais comment est-ce que je pige pas le truc là? Soit il y a un truc que j'ai loupé. Ok, on va tenter vieille mine, hein. Vas-y, on va acheter des pièces, on s'en fout. On va acheter des pièces. Par contre, c'est un peu dommage que c'est la même éner... ça soit la même énergie du coup en solo en multijoueur. Ils avaient dit que ça serait pas le cas, mais en fait, c'est la même chose. Attendez, mais il n'y a pas une seule zone de farm? Allez, je prends direct des radiations? La vieille mine, c'est pas là où il y a un boss? Attendez, mais je prends trop de radiations là. Comment ça c'est que je prends 30 radiations d'un coup? C'est quoi le délire? Alors, je pige absolument rien. Attendez, j'ai que 3 zones et je peux pas y aller solo et... Peut-être ça change tous les jours. Et peut-être qu'il faut venir quand il y a des zones de farm, je sais pas. Parce que là actuellement je peux rien faire en fait. Parce que lui, il me dit que le garage il est fermé. Je pige absolument pas ce que je dois faire. Vous savez quoi, on va peut-être supprimer la messagerie. Voilà. Changer les habits. Ouais, comme ça, si je meurs, on verra ma petite culotte avec les pois, ça peut être cool. Mais je pige pas du tout ce qu'il faut faire. Ah, j'ai dû louper un truc, on est d'accord. Bon, écoutez, en tout cas, ça a l'air stylé. Je vois juste pas ce qu'on peut vraiment y faire hormis ça quoi. Parce que bah du coup je peux pas aller me faire fighter avec les zombies en fait j'ai pas d'armes, j'ai absolument rien. Et je sais pas comment je fais pour en trouver, genre peut-être que je tue d'abord les zombies pour trouver du loot. Mais faudrait être sûr d'être à 3 et même à 3, genre même si on avait été 3 on aurait fait quoi là contre les zombies qui sont apparus? Oh stylé! Ah non j'ai rien dit, il suffit de sortir et ici on a les zones de farm à l'ancienne. Ok, j'ai absolument rien dit, d'accord, ah oui. Ah oui, non, j'ai absolument rien dit, je m'excuse. Ah non, très stylé, avant-poste, ok. Ok, non, j'ai rien dit, il fallait juste sortir de la zone et tout, et là on a les trucs, d'accord, ok.
Non, 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 j'ai absolument rien dit. On a encore les zones de farm à l'ancienne, du coup. Dans les crafts, on a quoi? Ah bon, on a du coup bah, les nouvelles tenues. Oh, stylé. Stylé, stylé. Du coup, j'ai l'impression qu'on a juste deux nouvelles tenues. Et je crois qu'ils en ont viré une, non? Il y en avait une petite, je crois, qu'on pouvait faire. Ok. Et du coup, j'appuie là-dessus et je change de... Ah, d'accord. Alors ça, il y a mon personnage en solo à côté et mon personnage en multi à droite. Ok. Attendez, et cet event-là, il reste à vie ou pas? Ah non, 5 minutes, ok, et il disparaît après, donc c'est juste pour le lore de l'histoire. Attendez, c'est quoi tous les events qu'il y a là? Il y a beaucoup trop d'events. Vraiment beaucoup trop d'events. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Bah moi, je vais aller explorer la mise à jour en live quand il y aura des gens, du coup, qui sont sur le jeu et qui voudront jouer. Et voilà. En tout cas, j'espère que la mise à jour vous aura plu. J'espère que la vidéo également vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Amusez-vous bien. Profitez bien de la mise à jour. Et ah bah, l'event, il a disparu comme ça sans prévenir. Ok. Bon bah voilà. Écoutez, bah, je vais aller explorer ça. On verra bien ce que ça donne. Et voilà. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Amusez-vous bien. À la prochaine. Salut. Bye bye.